J'ai fini ma bouteille, ça veut dire que les choses sérieuses vont commencer. Alors, je vérifie rapidement un petit détail. Ah oui, on est carrément abandonné de tous et de tout le monde. C'est merveilleux, je me sens très seul. Petite suite du programme avant de pouvoir continuer, avant de jouer à Dynamite Eddy. Des petites choses sur le chat. Hein. Est-ce qu'on peut payer un truc à boire à Elton? Payez plutôt des dons pour la Prevent Cancer Foundation, je vous en prie, quoi. Merci pour les coms, mais de rien, ça me fait plaisir. Merci pour la précision, mais je suis là pour ça. Commentaire de qualité, c'est très gentil de votre part. Comme dit, j'espère que vous passez une bonne matinée. J'espère que vous vous amusez bien à découvrir tous ces jeux, à découvrir ces speedruns. C'est le principe aussi de l'Awesome Game Done Quick. Comme dit, le petit rappel sur le programme, les choses qui nous attendent dans les minutes et les heures à venir. Donc tout de suite, Dynamite Eddy avec mes caractères. Mes caractères, c'est le mec qui fait tous les perleurs que vous voyez au courant du jeu. Au courant du marathon, pardon, au courant du jeu. Bref. Tout de suite après, alors je vais refresher pour voir où on en est des horaires. Je pense qu'on a gagné un tout petit peu de temps vu que les runs se sont plutôt bien passés jusqu'ici et que les setups ont été assez rapides. Voilà le temps du refresh. Aux environs 11h15, donc vous retrouverez Anapoulpe et Sinaël pour un commentaire de Street of Rage 2. 11h50, Crazy Taxi avec Mutsui. Aux environs de midi 20, Super Meat Ball avec Mutsui et Setrin, je pense. Marble Blast Ultra ensuite midi 50 avec Brother Main. Sonic Adventure 2 Battle aux environs de 14h27 avec Necro, puis Sonic Generation, puis Sonic Heroes. Et à partir de 18h jusqu'à 22h, ne ratez pas le secteur F-Zero avec F-Zero Climax, F-Zero, F-Zero X, F-Zero GX. Ce sera commenté par Mr. MV Rignop et ça va être de toute beauté. Ça va être très joli à regarder. On va passer une excellente journée sur cet AGDQ avec des très beaux jeux et j'espère que vous la passerez en notre compagnie. Petit rappel des bidoirs aussi, parce que c'est important. Quand vous faites un don, vous pouvez donner un commentaire, vous pouvez mettre un petit commentaire. Voilà, ça c'est très important. Et dans ce commentaire, vous pouvez dire « Ah, mon don, je veux qu'il passe pour tel truc ou tel truc. » Nous, les Français de France, eh bien, nous avons des défis qui nous concernent. Et entre autres, par exemple, de mettre le jeu Jack 2 en français. Pour ce défi, nous sommes désormais en tête, avec une petite avance de $100 sur le deuxième. Mais continuez à donner pour ces défis-là, c'est important. Ou aussi pour nommer le personnage principal de Final Fantasy VII, où Cloud se nommerait pour l'instant Card 7 et Aerith se nommerait Bowwow. Si, donc, quand vous faites un don pour ce machin-là, quand vous faites un don pour ces choses-là, eh bien, quand vous faites un don à la GDQ, vous marquez dans votre don « J'aimerais que ça parte pour tel défi, j'aimerais que ça parte pour tel truc. » Ce sera pris en cours et ça permet, en compte, et ça permet d'avancer sur ces machins-là. Est-ce que tu veux que je vienne te tenir compagnie, mon cher Alton? Non, on t'embête pas, Napoulpe, on est prêt, on est bon. Ça va aller. Surtout, vous embêtez pas, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je voulais dire encore? J'avais un truc en tête. Oui! Pourquoi on est là? Important. Je fais un petit rappel entre chaque run parce que vous allez me dire, pour ceux qui m'écoutent depuis ce matin, vous allez faire « Ah oui, mais bon, Elton, ça fait 5 fois que tu répètes le même truc. » Ça commence à être un peu chiantos. Oui, mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui nous rejoignent en permanence. Vous êtes combien là? Vous êtes quand même 2227 à nous regarder. Merci à tous, encore une fois. Et donc, c'est important de rappeler pourquoi on est là, parce qu'on n'est pas là pour faire notre promo, on n'est pas là juste pour montrer du jeu vidéo, même si on aime bien ça, on va pas se mentir. On est là pour une bonne cause. La bonne cause, donc, c'est l'AGDQ. L'AGDQ est un marathon de speedrun, donc de jeu terminé le plus rapidement possible dans les conditions de base de la console, etc., par des gens qui sont des professionnels de chaque jeu. L'AGDQ, donc ce marathon qui est organisé tous les ans depuis 2011 par la Speed Demos Archive et Speedrun Live, qui sont les deux plus grandes associations internationales de speedrunners. Et ce marathon donc, est au profit de la Prevent Cancer Foundation, qui est une fondation, comme son nom l'indique, de prévention contre le cancer. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas fait anglais deuxième langue, donc voilà, je précise. Donc, par la Speedrun Live et par la Speed Demos Archive, ont déjà été rassemblés depuis le premier marathon organisé $2 750 000 pour des causes diverses et variées. L'année dernière, pour le marathon, pour cet AGQ, ont été rassemblés plus $1 million au profit de la recherche contre le cancer. Donc, on est là pour ça. La Prevent Cancer Foundation, c'est certes une association à but non lucratif, je le précise bien. Non lucratif, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça veut dire qu'elle n'est pas là pour se faire de la thune et pour faire fructifier du pognon. Tout le pognon qui rentre ressort. C'est-à-dire que ce pognon qui rentre est ensuite balancé de nouveau dans la recherche contre le cancer et pour filer du pognon aux gens. Petit break, parce que je vois des gens en train de parler sur le chat, et je vous surveille, bande de jeunes sacripants.
J'allais dire un autre mot, mais ouais. Il n'y a pas de pub parce que les pubs doivent être balancées manuellement. Donc Mister MV va bientôt être de retour au studio de Gaming Live. À ce moment-là, il balancera des pubs. Donc n'hésitez pas à débrancher votre adblock parce que toutes les pubs partiront naturellement au profit du marathon. Hein. Ce n'est pas du pognon qui va être mis dans la poche ni de Gaming Live, ni de jeuxvideo.com, ni des Illuminati. C'est du pognon qui va partir ensuite dans la caisse de la Prevent Cancer Foundation et dans un gros don qui sera fait en fin de marathon. À la Speed Demos Archive et à la Prevent Cancer Foundation. Donc voilà, je précise. Les pognons sont en fait balancés, les pubs sont balancés manuellement. Donc voilà, c'est tout le truc. Toujours est-il donc expliqué que la Prevent Cancer Foundation est bel et bien une association américaine, mais les projets qu'ils financent sont des projets financés dans le monde entier. Ils ont financé plus de 450 scientifiques. Ils ont financé plus de 150 institutions médicales, principalement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est tout. C'est des recherches qui ont été faites, qui ont fait avancer plusieurs projets, dont, je l'avais cité tout à l'heure, mais je vais reciter, la détection précoce du cancer de poumon. C'est un projet qui a été financé par la Prevent Cancer Foundation. La découverte d'un vaccin contre les affections à papillomavirus qui ont permis de faire avancer le dépistage du cancer de l'utérus, du col de l'utérus, c'est un truc qui a été financé par la Prevent Cancer Foundation. Ça, c'est des projets qui, certes, sont parfois développés aux États-Unis, mais qui font avancer, en fait, l'intégralité de la recherche contre le cancer dans le monde entier. Donc, n'hésitez pas à donner à la Prevent Cancer Foundation. C'est pas du pognon qui ne partira que dans une SOS, mais c'est du pognon qui permettra, en fait, de faire avancer la recherche pour le cancer dans le monde entier. Donc, c'est pas parce que c'est une SOS que, voilà, il faut garder ça pour vous et qu'il ne faut pas en profiter. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire ? Ben, on a à peu près fait le tour hein, pour les petites choses en cours de route. J'avais encore un truc à vous raconter. Oui, qu'est-ce qu'il y a comme bidoir ? Tiens, hein, oui, voilà ce que je voulais regarder. Les prochaines bidoirs. Donc, les bidoirs, je le rappelle aussi, c'est le principe de pouvoir donner du pognon pour atteindre un objectif précis dans un jeu. Donc vous pouvez le donner aussi dans les espèces de machins où ce sont un peu des la France qui veut essayer de se représenter. Mais il y en a aussi pour d'autres projets et d'autres trucs qui sont en cours. Par exemple, il y a des dons pour le nom de la sauvegarde de Crazy Taxi. Et pour l'instant, elle est toujours à zéro, hein, ce truc-là. Donc si vous faites un don à la Prevent Cancer Foundation en disant « J'aimerais que ça part pour nommer la sauvegarde de Crazy Taxi », avec un truc de trois lettres, par exemple, quelqu'un a proposé RSA sur le chat qui me faisait beaucoup rire, eh bien, vous pouvez le donner. Pour l'instant, ça a des grandes chances de passer parce que pour l'instant, c'est à 0$. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Alors, Dynamite Eddy, on est d'ores et déjà parti. Mon Dieu, j'ai tourné la tête 2 secondes et c'est parti à toute vitesse. On est déjà passé, donc c'est Mega Richter que vous voyez sur votre écran avec la manette en main, avec cette petite darbichette particulièrement tentante, qui assure le run. Mega Richter, comme dit, qui fait tous les perleurs que vous voyez pendant la GDQ. Nous sommes là dans le niveau, le premier niveau, qui est un niveau complètement anecdotique en fait, qui consiste juste à courir de la gauche vers la droite. Il n'y a rien qui peut nous causer du dommage dans ce niveau, à part le boss de fin que nous allons voir tout de suite. Alors, petit point très rapidement, le point scénario. Eddy, donc vous voyez, c'est le protagoniste qui, en fait, peut se battre en balançant sa tête sur les ennemis. Vient de débarquer dans une ville qui s'appelle Northtown, qui, en fait, vous allez voir, le jeu est composé, en fait, d'une série de scènes qui sont mises en place. Donc, à chaque fois, tout est théâtralisé au possible. C'est absolument hallucinant. Et en fait, il y a des méchants. Alors déjà, le méchant que vous voyez là sur votre gueule, qui s'appelle Trouble Bruin, qui est l'espèce de chat que vous allez retrouver très régulièrement, qui va être un boss récurrent du jeu, et qui va essayer de nous causer du tort. Et il y a aussi un autre boss qui s'appelle le Dark Demon, qui lui est le grand boss final du jeu, et ça on va le voir un petit peu plus tard. Alors, est-ce que c'est un Sonic Rayman-like ? Nous demande Glory for the Win. On peut dire ça, c'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de plateforme qui est réalisé par Treasure. Alors Treasure, certains d'entre vous les connaissent sans doute pour les Shoot 'em Up. Donc ce sont les auteurs entre autres de Ikaruga, de Radiant Silvergun, de Sin and Punishment. Et certains les connaissent peut-être aussi pour un excellent jeu plateforme sur GBA qui s'appelle Astro Boy Omega Factor. Si vous ne connaissez pas Astro Boy Omega Factor, je ne peux que vous le conseiller aussi. Mais là, pour l'instant, Dynamite Eddy. Alors ça, la zone que vous allez voir là est une zone en fait dans laquelle on trouve les différents tutoriels qui s'appellent la Practice Area.
vu que les tutoriels, voilà, on n'est pas là pour ça. On va donc passer, très bonne remarque de Ilesviel sur le chat, puisque ça fait longtemps que je ne vous ai plus donné le nombre de dons hein, qu'on a fait. Je vais vite le faire avant de revenir au jeu. On en est quand même à 119 043 dollars. En grosse douzaine d'heures, hein, puisque je rappelle que le marathon a commencé hier soir à 18h. Vous avez été 3442 à donner, le don moyen est actuellement à 34,61 $. Donc n'hésitez pas à continuer à donner et à donner nombreux, c'est très important, et comme dit, c'est pour une très bonne cause, l'avancée de la recherche contre le cancer. Alors donc le principe de Dynamite Eddy, c'est que c'est sans doute un Rayman-like, etc., mais c'est aussi un Kirby-like, puisque vous voyez qu'en fait on peut récupérer des têtes différentes qui te permettent de vaincre des boss et d'avancer beaucoup plus rapidement dans les jeux. La tête qu'on va utiliser le plus dans ce jeu, c'est la tête de marteau, la Hammerhead, qui permet en fait de doubler les dégâts qu'on fait. Là, on a utilisé une tête qui nous permet de réduire un peu notre taille et qui nous permet d'avancer vachement plus rapidement à l'intérieur de ce petit zone labyrinthique, qui est d'ailleurs le seul moyen qu'on aurait d'avancer. On avait en fait deux chemins différents à ce moment-là. Un boss sur le haut et cette petite zone là en bas. Comme le dit le runner, en fait, le boss a des patterns qui sont extrêmement aléatoires. Le petit labyrinthe en bas n'est pas aléatoire, donc on prend le petit labyrinthe, au moins on est sûr de terminer plus rapidement. On avait cru pendant un instant que le chat serait de nouveau notre boss, mais en fait, notre boss va être cette espèce de cheval à bascule géant. Vous voyez qu'il a un morceau de clé inséré dans son dos. En fait, ces morceaux de clé vont être des morceaux extrêmement capitaux qu'il va falloir que nous récupérions pour vaincre le boss final. Même si c'est pas exactement nous qui allons les récupérer, mais ça je vais y revenir. Vous voyez aussi qu'on a un petit angelot qui vient nous indiquer les weak points. Pour expliquer très rapidement l'interface du jeu, parce que c'est important toujours d'expliquer l'interface. Le spot en haut avec un H dessus, c'est notre barre de vie. Plus le spot est dans le rouge et plus le H est petit, moins nous avons de points de vie. De l'autre côté, en cas de boss, vous avez un spot qui représente l'énergie du boss. Et à la fin de chaque zone, une fois qu'on a battu le boss, je vais vous présenter Ether, ici présent, qui va arriver dans quelques instants sur votre écran. Ether, c'est cette charmante dynamite Edette féminine qui est un peu le love interest du jeu. Nous voyons que notre amie Eddie n'y est pas totalement indifférente et qui va venir récupérer les morceaux de clé et qui n'est pas totalement là uniquement pour être un love interest, mais ça, nous allons le voir un peu plus tard. Par contre, comme vous le voyez, eh bien, cette cutscene de fin de zone et de fin de niveau n'est pas passable. C'est pour ça qu'à chaque fois, eh bien, notre ami le runner va se sentir un petit peu frustré, lui dit-il dans ses commentaires, de perdre 30 secondes pour attendre eh bien, que Ether récupère le morceau de clé à chaque fois. La petite zone avec des petits effets 3D de très bel effet, puisque eh bien, vous voyez le décor qui se penche en avant à chaque fois, au risque de nous propulser dans le vide si nous ne sommes pas assez prudents. On va battre les petits trucs qui tombent assez rapidement. Pas de difficulté trop principale jusqu'ici, hein, on est simplement avec ces petits niveaux à gimmick. Et eh bien, notre ami le chat est de retour et va nous enlever pour nous emmener dans les coulisses. Pour la baston des coulisses, on est parti. Là, on a récupéré une tête qui s'appelle la Superhead, qui permet en fait de propulser notre tête beaucoup plus loin, ce qui va nous être utile, puisque le weak point, le point faible du boss, est en fait l'espèce de cœur que vous voyez au centre. Donc là, on va en profiter en fait pour... de cette super tête pour frapper. Vous voyez en haut que notre barre de vie, donc le petit spot avec le H dessus, le H est devenu d'une taille beaucoup plus modeste puisque nous avons pris quelques coups et quelques dommages. On attend que ça se stabilise un petit peu en profitant de la tête qui nous permet là, d'avoir une petite invincibilité. On va essayer de récupérer la super head. Voilà qui est fait et ça nous permet de nouveau de taper le cœur du boss. On ne doit plus être très loin de régler son compte. On y est toujours pas. Ah si, ça y est. Non, pas encore. Ok. Voilà, ça y est, c'est fait. Le problème est réglé, le boss est battu. On a eu un peu plus de mal que sur les runs que j'avais vu en vidéo, donc je pense que le run ne sera pas absolument magnifique, puisque je ne vous ai pas encore dit le record, je vais le faire. Le record est tenu par, en tout cas le record SGDQ, encore une fois, enfin le record de la Speed Demos Archive, est recueilli par Zir, de son vrai nom Tyler Larsen, qui nous a fait ça en 41 minutes 17 secondes. C'est un record qui date du 3 octobre 2011. Je n'ai pas les temps de méga Richter, mais on va le voir exactement. 41 minutes 17, oui, c'est bien ça. Oui, je vais vérifier encore pour être sûr. Pas vous dire de bêtises. Le boss, donc, ça va être ce pantin. Enfin, pas que le pantin, ça va aussi être le marionnettiste, voilà.
Alors, ça va me permettre de vous expliquer aussi un petit machin qui est un peu particulier dans le jeu, où en fait il y a des espèces de SBP qui sont les super bonus points. Vous pouvez en récupérer un certain nombre par niveau, vous verrez sur l'écran de score que pour chaque niveau vous avez un truc marqué. Ces super bonus points en fait ne servent strictement à rien, ils servent juste à augmenter votre score, ce sont juste un peu des... comment dire, pour montrer votre talent au jeu, il n'y a pas de bonus particuliers qui sont débloqués par ça, ni rien du tout. Là par exemple on avait un super bonus point si on butait le marionnettiste avant de buter la marionnette. Or bon, si c'est juste pour la classe, c'est pas un problème, voilà, ça ne sert à rien, c'est rien du tout. On passe donc à la suite, problème réglé, on vient donc sur cette marionnette, marionnette qui est féminine, à noter, hein. Et que si notre ami mes caractères a beaucoup de chance, elle pourrait peut-être battre dans cette forme-là, auquel cas il va falloir attendre la deuxième forme, est-ce qu'il y est arrivé du premier coup ? Et oui, félicitations, parce qu'en fait ensuite il change de... cette marionnette change de costume, elle change de costume à plusieurs reprises, mais là elle n'aura même pas le temps d'effoncer à la première forme. C'est très joli, c'est très brutal, c'est très rapide, et félicitations, GG à lui. Donc encore une fois, morceau de clé, on va attendre que notre copine Heather vienne la récupérer. Mais Zone en tout cas terminé vraiment, vraiment, vraiment à toute vitesse, c'était très bien joué. Marcus, le mec qui dit que la Saturn est la pire des consoles. Vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez sur le chat, mais j'ai pas l'impression que vous parlez du jeu. En tout cas, donc, boss défoncé à toute vitesse, c'était la scène 3-4, si mes souvenirs sont bons. On va donc déjà être dans la quatrième zone. Alors, à noter que tous les niveaux ont des en fait titres tirés de parodies de titres de films. La scène 2-2 s'appelait Toys in the Hood, par exemple. La scène qui arrive là, la 4-1, s'appelle Terminate, espace, heure, espace, tout. Jeu de mots. Les deux scènes suivantes s'appellent Mad Max et Mad Max 2. On a une zone un peu plus loin qui s'appelle aussi Fly Hard. Voilà, enfin, toutes les zones sont en fait des parodies de titres de films, ce qui est un peu cohérent avec l'univers du jeu. Voilà. Scène 4-1, le décor qui s'effondre, on voit tous les gens à l'arrière qui sont un peu cuir moustache, on va pas se mentir, qui sont en train de galérer pour tout remettre en place. Et donc, nous arrivons devant ce robot. Alors ce robot me permet de vous parler aussi d'un truc qui est assez marrant au niveau du jeu, c'est que certains boss, dont celui-là, ont des looks complètement différents sur la version japonaise et sur la version occidentale. Je vous avais dit qu'il y allait y avoir plutôt pas mal de constantes par rapport au run qu'on allait voir ce matin, qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont être différentes, qu'on va retrouver au courant de la matinée, ben ça encore c'est une constante, les versions US et les versions japonaises sont complètement différentes, et où certains boss dans le jeu original ont des looks qui sont extrêmement japonisants, genre danseuse de kabuki et ce genre de choses-là, eh bien ça ne sera pas le cas sur la version occidentale, où ils vont avoir des looks beaucoup plus communs. Là on voit qu'on a exploité en fait un petit trick qui permet en fait de sauter dans le vide pour retomber. Je sais dire à quelques secondes, mais je vous réexplique très rapidement maintenant. Ce mid-boss du temps qui était censé être compliqué, on voit qu'on l'a passé très rapidement. On refait tomber tout le décor. Avec des petits effets de parallaxe comme ça qui sont très jolis, qui permettent de donner des impressions de 3D assez géniales. Merci Gamelon. Encore une fois, vous voyez, on va se laisser tomber dans le vide, ce qui va nous donner en fait un boost en hauteur. C'est une technique en fait d'exploitation de Bugtooth qui est plus con, mais qui nous permet de passer très rapidement. Mad Max. Comme je vous l'avais dit, donc nous sommes à la zone 4-2. Là, pas grand-chose à dire, hein. On est quand même dans une zone extrêmement plateforme de base, pas grand-chose à ajouter. On récupère cette tête de marteau, en fait, vous voyez qu'il y a certaines zones qui, un peu à la manière d'un... comment ça s'appelle, nouveau, le machin, la Spyro Skylanders ? Non, oui. Oui, vous allez avoir besoin de certaines têtes particulières pour passer certains passages. Donc là, on a besoin de la tête de marteau pour ouvrir ce passage-là, qui va nous permettre de gagner du temps. Là, vous voyez que nous avons ces espèces de roues qui sont un petit peu compliquées à passer parce que certains d'entre eux contiendront des ventilateurs qui vont nous propulser dans les mauvaises directions et certaines autres contiendront des ennemis qui vont nous poser des problèmes. Donc, on va passer à travers le plus rapidement possible. Voilà qui est fait. Et on est d'ores et déjà devant le boss qui n'est en fait pas là. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Là, c'est le petit ange qui nous indique normalement les weak points des boss, et il vient de nous raconter que notre pote Heather, donc celle qui vient récupérer la clé à chaque fois, en avait marre de nous attendre et qu'elle a décidé de tartiner le boss toute seule. Donc voilà, hein, ça, je trouve ça plutôt pas mal comme système.
Là où notre ami Mega Richter dans ses commentaires de speedrun pose l'excellente question, mais pourquoi il n'a pas fait ça avec tous les boss, ce qui est plutôt pas mal. Donc en fait, effectivement, Ether a tartiné le boss avant qu'on arrive, donc pas de boss pour nous sur cette zone, on passe à la suite. Alors là, toute petite zone très rapide où le principe c'est juste de sauter là, et ensuite Edith va faire le taf à notre place. Et maintenant, on passe sur une des zones apparemment les plus crisantes du jeu. Je cite encore une fois mes caractères dans ses commentaires, ce stage fait rager aussi bien les joueurs réguliers que les speedrunners. Et vous allez pouvoir le constater de visu que c'est effectivement le cas. Nous sommes en fait sur cette tour qui tourne, qui rappelle un peu le jeu Mickey Mania, pour ceux qui se souviennent qu'il y avait aussi un passage similaire. Et là en fait, le principe un peu chiant, oh pas de bol pour notre ami mes caractères, ça c'était pas censé arriver, mais bon, c'est que eh bien, c'est un peu difficile de prévoir le pattern du boss. Le seul moyen de lui occasionner des dégâts étant qu'il se jette contre vous, comme il le fait ici. Il y a effectivement un moyen plus ou moins d'occasionner ça, encore une fois c'est une technique qui a été apprise lors d'un TAS. Cette technique en fait est tout bêtement eh bien, de se placer à un endroit précis lors d'une des animations du boss, comme un peu comme la technique que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le problème, c'est que pour un speedrunner, reproduire des techniques de tasse, ben, parfois c'est un peu compliqué. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, eh bien, on va essayer quand même de le battre à la loyale, ce bon vieux boss. Tocha qui décidément arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Grand Dieu! Vous voyez qu'à chaque fois, il balance cette petite crochet qui enlève un morceau de tour, qui tombe sous nos pieds, etc. Combien de coups faut-il lui mettre? Je l'avais noté quelque part. 8, je crois. Oui, c'est ça. On doit le battre 8 fois. Eh bien, c'est un de ces moments où beaucoup de speedrun vidéo, nous dit le runner, beaucoup de speedrun qu'il a enregistré, qu'il a testé hors ligne, sont morts de leur belle mort, car il est très facile de perdre énormément de temps, comme vous le voyez, sur ce passage, vu que le pattern est très aléatoire et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour l'influencer. Donc, eh bien, c'est un peu la mélasse. Pas grand-chose à faire, pas grand-chose à dire. On va en profiter pour faire un petit point. Comme dit, on n'est pas loin des 120 000 dollars d'ores et déjà rassemblés au profit de la recherche contre le cancer. Félicitations à vous tous, félicitations à tous ceux qui ont donné, et félicitations aussi et merci à tous ceux d'entre vous, aussi bien qui passent le mot, que eh bien, tous ceux qui regardent, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on est là, et même en passant le mot sur les réseaux sociaux, ou même en étant juste là pour regarder, eh bien, vous nous rendez déjà fier service, si vous ne pouvez pas donner, mais si vous faites ça, eh bien, merci à vous. Voilà, zone suivante, nous y sommes, la Towering Internal, hein, jeu de mots sur la tour infernale, naturellement. Deux petits boss qui vont s'enchaîner, le premier c'est le Hangman, vous voyez là, donc le principe ça va être de toucher les deux boules qui sont au bout de chaque appendice, ça va être très vite réglé. Le suivant va être l'armadillo. Je sais pas ce que c'est la traduction française. L'armadillo c'est une espèce de petit animal comme dit, qui se roule en boule avec une coquille dessus, c'est peut-être le pangolin aussi, je ne sais pas, bref. Toujours est-il que l'armadillo, le voilà qui arrive, le principe étant que celui-là aussi, on va attendre qu'il sorte de sa carapace pour lui donner des petits coups de tête. Ça va être assez vite réglé, on va récupérer la tête qui nous permet d'arrêter le temps, voilà qui est fait, pour lui donner quelques coups bien gratos et gagner beaucoup de temps sur ce speedrun. Voilà qui doit être presque cuit, c'est fait, on se jette dans le vide un peu pour rien d'ailleurs là, pour le fun, puisqu'on est jeune. Ça nous permet à mon avis de triggerer le stage suivant assez rapidement, et nous voilà devant Spinderella. Alors, ce boss, si on utilise la technique du TAS et si on est très doué, est-ce qu'on peut mettre Crazy Taxi dans les défis FR pour le coup? Eh bien, c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est noté, hein, peut-être que quelqu'un va pouvoir le faire. Donc, si on est doué, si on arrive à battre le boss, vous voyez qu'il faut atteindre en fait la pile qui est dans son dos, et que quand vous déplacez, le stage entier tourne sur lui-même, vous allez arriver à le battre avant sa première forme. Alors encore une fois, je le rappelle, on voudrait quand le H, c'est la barre de vie de notre héros. Plus c'est dans le vert et plus le H est grand, plus nous avons de santé. Le E en jaune est à barre de vie de l'ennemi. Vous voyez qu'elle est presque déjà réduite. Est-ce que notre ami, mes caractères, va arriver à le battre en un seul cycle avant que eh bien, Spinderella fasse tourner tout le niveau sur soi-même? Malheureusement, la réponse va être non. Et donc, notre ami, mes caractères, va se retrouver à l'arrière-plan. Pas en tant que speedrunner, je vous rassure, mais en tant que personnage. Et donc, il va falloir que nous battions le boss eh bien, avec un peu moins de visibilité sur les choses. Puisque là, à l'arrière-plan, vous voyez que notre ami eh bien, Eddie est tout petit, tout petit, tout petit. Eh bien, nous avons un peu plus de mal à le battre, mais voilà qui est fait. On a perdu à peine quelques secondes, trois fois rien. Salut, Dwenner.
voilà qui est fait, boss battu, on récupère donc le morceau de clé, enfin, on récupère. Et notre cher ami Heather va le récupérer et nous sommes déjà... nous sommes déjà au sixième stage, ça avance vraiment à toute barzingue. Il y a combien de stages au total dans le jeu? Je crois qu'il y en a 9 ou 10, donc on avance déjà très bien. Les stages suivants, encore une fois, une constante dans les choses que nous voyons au sein de ces 4 jeux que nous avons vécu ensemble ce matin. Les stages suivants vont être des stages de shoot'em up, d'autant plus logique d'ailleurs que ça vient de la part de Trunks. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens de voir Trunks se connecter sur le chat, c'est pour ça. Excusez-moi, hein, quatrième jeu, j'ai le cerveau qui commence un peu à sauter des cases, on recommence. Donc, stage de shoot'em up, d'autant plus logique que ça vient de la part de Treasure, voilà. Vous voyez, ça a commencé par la même chose, c'est pour ça que mon cerveau confond, c'est normal. Dans laquelle, donc Treasure fan de shoot'em up, Treasure chanson de Bruno Mars aussi, mais ça n'a aucun rapport, je vois pas pourquoi vous parlez de ça. Donc, la petite particularité va être qu'il y a 3 têtes qui vont être différentes, qui vont être créées spécialement pour l'occasion. Donc les têtes Rocket, alors attendez, je vais vous retrouver la liste des têtes, ce serait peut-être mieux. Airhead, Rockethead et Featherhead, qui ont chacun leur petite particularité. La Airhead, c'est une sorte de biplan qui balance 3 balles en permanence. La Rockethead, c'est ce que notre speedrunner utilise, qui change votre tête en roquette et qui peut uniquement partir donc sur la gauche, mais qui shoot des lasers qui sont pénétrants. Et la tête de plume, donc la Featherhead, qui donne des petits oiseaux qui tournent autour de soi-même. Donc nous, on va utiliser la Rockethead, petit 1 parce que c'est la plus rapide à récupérer, petit 2 parce qu'elle permet de toucher plusieurs ennemis à la fois, et donc de gagner du temps. Voilà. En run normal, le runner nous indique qu'il utilise qu'il utilise aussi la Rockethead en permanence, mais là, pour le speedrun, il a pris la Airhead très rapidement au début pour gagner du temps, puis la Rockethead ensuite quand il a pu la récupérer. Donc, où est notre ami runner? Voilà, il est là-haut, en train de taper le petit crochet qui retient le battle chip, parce que le problème étant qu'on ne va pas pouvoir vraiment lui faire de dommages directement, mais qu'on va pouvoir faire du dommage à ceux qui le supportent. Accessoirement que cet endroit nous permet, certes, de se prendre quelques dommages à cause des projectiles qui partent sur le côté, mais de buter les ennemis au spawn aussi. Voilà qui fait. Ah, Elton suit le chat JVC, mais bien sûr. Ah non, Grit Mutato, je suis uniquement le chat sur Twitch, hein, mais je suis déjà le chat sur Twitch dans la mesure du possible. Je ne peux pas faire trop de choses à la fois non plus, mais c'est gentil de votre part. Donc, toujours est-il, est-ce que ce jeu est sur Mega Drive? Question de Twitch. Oui, le jeu est sur Mega Drive. C'est un jeu donc de Treasure, hein, qui sont grands fabricants de shoot'em up, qui est sorti sur Mega Drive. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais revérifier. Je crois que ça date de 94 aussi, mais je ne vais pas dire de bêtises, et je n'ai pas forcément noté la bonne information, donc voilà. Toujours est-il, Fly Hard, on y est, donc Fly Hard, hein, rapport naturellement à Die Hard, où le principe étant que vous avez encore une fois notre ami le chat en tant que boss, Trouble Bruin, hein, si vous rappelez le nom, et le principe étant que vous ne pouvez lui causer de dégâts que quand il est à l'avant-plan, voilà qui est fait. Quand il est à l'arrière-plan, vous ne pouvez absolument rien lui faire, donc on doit à chaque fois attendre qu'il se repointe à l'avant-plan. Voilà qui est fait, on récupère de nouveau de la banane qui nous permet de récupérer notre énergie. Et maintenant on va donc profiter de ce petit moment où il est à l'avant-plan pour le bourriner le plus possible, histoire de gagner du temps et régler ce stage aussi rapidement que l'on peut. On voit que notre ami Migrecter se met à un endroit très précis au niveau du scrolling, vers le milieu de l'écran. Ce qui permet de régler très rapidement le boss. Voilà, petit passage de l'avant-plan à l'arrière-plan, puis à l'avant-plan, on avance toujours sur le machin. On voit que la barre d'énergie de notre ami Eddie est de plus en plus basse. Il s'agirait de ne pas trop faire la sacoche. Ça serait dommage de perdre là-dessus. Encore une fois, les machins à scrolling, c'est compliqué. Jeu sorti en 1995, Toto Garki, merci beaucoup à toi. Alors je rappelle, hein, pour les gens que je ne suis toujours pas Nagoon, mais c'est pas grave, hein, si ça vous fait rire, au moins c'est ça de prix. Alors... Là, donc, en fait, il nous balance des petites mines, vous voyez, qui viennent de l'arrière-plan. Ces mines sont, en fait, très simples à éviter, très simples à défoncer. Voilà, petit coup sur les mines, très rapidement réglé. Là, le problème étant qu'il attend au niveau des patterns pour qu'il repasse à l'avant-plan, parce que, comme je vous le dis, il ne peut pas lui faire de dommages tant qu'il est là derrière. On doit donc attendre, encore une fois, qu'il revienne vers nous. Notre ami Mécaractère qui n'a pas eu vraiment beaucoup de bol sur les patterns. Hein. Voilà, il a été arrêté à l'arrière, c'est bon, on peut passer. Flyhard 2.
Problème réglé. Donc là, c'est un stage qui va être un peu plus dans le squid au niveau des déplacements. Il va falloir se déplacer donc très précisément et très précautionneusement pour éviter les murs que vous voyez qui sont électrifiés de part et d'autre. J'ai raté Rocket Knight Adventure, meilleur jeu de plateforme de tous les temps. Je suis d'accord avec toi, ou presque, en tout cas avec Xenokipos. Pour moi, c'est quand même Sonic 4, Sonic 3 et Knuckles. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler mercredi. Donc, toujours est-il, voilà, on va éviter les petites zones électrifiées parce que, eh bien, ce serait du dommage inutile et que notre ami Mégaricter n'est déjà pas très bien en point. Vous voyez que les zones sont de plus en plus étroites, en plus encombrées d'ennemis, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus hoche. On va donc éviter les problèmes. Flyer de 2 en casu, c'est une purge, nous dit Dio, et qui a effectivement bien raison. Flyer de 2 en casu, c'est une fucking purge, je suis bien d'accord avec toi. Alors là, les petites grenouilles qui se mettent sur le mur, on va donc devoir encore une fois se mettre bien au ras du sol pour les éviter. Vous voyez que notre ami Mégaricter connaît le jeu sur le bout des doigts. Nous n'en attendons pas moins d'un speedrunner, certes, mais c'est toujours impressionnant à voir, parce qu'il sait toujours exactement de quel côté se mettre pour éviter de se prendre des dommages. On récupère la banane qui nous permet d'être full health avant un des boss les plus mindfuckants de l'histoire de la plateforme, puisque je parle de Babyface. Alors, Babyface, c'est un principe. Déjà, comme son nom l'indique, c'est une gueule de bébé. Babyface est assez simple, hein, il suffit d'éviter ses boules de feu et de lui défoncer la gueule à grands coups de laser au milieu du visage. Là, d'accord. Jusqu'ici, vous allez me dire, à Eltan, je vois pas en quoi c'est mindfuckant. Certes, le look fait un peu peur, mais bon, hein, c'est un boss de shoot'em up, on a déjà vu pire. J'ai joué à Parodius, voilà, c'est pas spécialement compliqué. Ensuite, là, ça devient compliqué. En fait, le boss est une poupée russe, et à chaque fois que vous allez battre une forme, il va avancer dans l'âge. Donc là, nous sommes à Boy's Face. Boy's Face qui peut être très difficile, en tout cas si on n'a pas la bonne tête, parce que comme vous le voyez, il y a des attaques qui remplissent l'écran très rapidement, et en plus, son doigt peut être extrêmement gênant parce qu'il balance des éclairs qui peuvent être assez dégueulasses. Boy's Face étant battu, on va passer à Man Face. Manface est la forme la plus dure puisqu'il a une sorte de crochet qui peut ramener des blocs qui vont obstruer votre vue et donc qui vont plus vous permettre de bien voir les tirs qu'il va vous balancer à la gueule. Donc ça déjà c'est une purge et c'est très facile donc de prendre des dégâts inutiles sur Manface. Principalement comme vous le voyez des gros lasers dégueulasses à se prendre dans la gueule, ça n'a un peu aucun sens. Et alors après la phase la plus marrante, Grandpa Face. Alors Grandpa Face, vous avez le choix de la bastonner à la légale. Mais sinon, on peut faire ça aussi. Il vous chope dans sa main, il vous regarde, il rigole, et il meurt. Voilà. Ça, c'est un peu un trip à la Metal Gear Solid 3, hein, avec un des boss qui pouvait mourir de vieillesse. Bah là, c'est pareil, Grandpa Face, il vous chope dans sa main, il vous regarde, il fait « Oh, 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 oh !» et il crève de vieillesse. Donc voilà, on va choisir cette méthode-là, parce qu'on pouvait aussi le battre à la loyale, Mais le battre à la loyale permet juste de débloquer l'une de ces fameux secret points donc, que vous voyez là sur votre écran. Il nous fait gagner strictement rien au niveau du jeu, donc autant utiliser la solution qui nous permet de gagner du temps. Et on avance. Pourquoi il y a tant d'avance sur le planning? Est-ce qu'un jeu a sauté? Oui, un jeu a sauté, Miles, le jeu qu'on devait faire ensuite, qui devait être le dernier jeu que je vais commenter avec vous aujourd'hui, qui devait être Gunstar Heroes, a sauté du planning. C'est pas grave, on va continuer quand même à regarder ce Dynamite Eddy, et puis juste après, de toute façon, vous avez des jeux de grande qualité qui vous attendent, pour ne citer que les suivants, Street of Rage 2, Crazy Taxi, Super Monkey Ball, Marble Blast Ultra, Sonic Adventure 2 Battle, Sonic Generation, Sonic Heroes, F-Zero Climax, F-Zero, F-Zero X, F-Zero GX, avant une section de FPS PC absolument dantesque de qualité. Ce sera dans la soirée et on se retrouvera tout à l'heure d'ailleurs. Nous sommes dans le Heady Wonderland, un univers sponsorisé par la SPA où on défonce des vaches. Encore un boss qui n'a absolument pas la même gueule dans la version japonaise que dans la version occidentale puisque là nous avons une charmante danseuse de Kabuki qui est remplacée par un robot. Vous voyez que ce boss en fait se fait en coopération avec notre ami Heather là-haut qui va lui balancer des morceaux de clé dans la sacoche pour l'énerver. Il suffit simplement de le mettre simplement sous les deux tours et de le stabiliser afin que Heather puisse les balancer les morceaux de clé tranquillement. Il faut le mettre simplement le placer au bon endroit et attendre qu'il termine son pattern à un endroit où Heather peut balancer les morceaux de clé. Ce boss se bat comme ça et se récupère comme ça assez rapidement.
Pourquoi il a été annulé Gunstar, je ne sais pas. Je suppose que c'est pour la bonne et simple raison qu'il y a quelques changements qui ont été faits sur le secteur de Tazbot cette nuit et que du coup, il y a eu un peu du déplacement. Et maintenant que nous avons battu le boss, eh bien la vraie nature de ce monde se révèle puisque les décors se morcellent et que nous voyons apparaître à l'arrière le château. Donc ce boss s'appelait le Gatekeeper. Nous voyons apparaître à l'arrière le château du Dark Demon. Et le Nasty Gatekeeper arrive, donc qui est une évolution du boss qu'on vient juste de battre. Il essaye d'enlever Ether dans sa crochet, dans ses serres, voilà c'est le mot que je cherchais. Et du coup, eh bien, on va lui défoncer la gueule proprement. Salut Cluster, salut à tous ceux qui nous rejoignent, bonjour à vous tous si vous nous rejoignez. Toujours un honneur de commenter cet AGDQ en votre compagnie, Jean de Gaming Life, Jean de jeuxvideo.com, Jean de tout l'internet. Donc ce boss, encore une fois, eh bien, il n'y a pas grand chose à faire, pas de technique miracle, on va se mettre entre ses jambes. On va récupérer la tête de bombe, en fait il peut être battu en deux bombes balancées à ses pieds, un coup normal, c'est la technique qu'on va utiliser. Voilà, là je crois qu'on a balancé la première des deux bombes, vous voyez qu'il se balance avec à la main un machin qui nous permet de changer de tête, on va essayer de récupérer encore la tête de bombe du coup, histoire de lui mettre la deuxième et dernière bombe dans la gueule, voilà qui est balancé à ses petits petons. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va être la bonne? Oui, c'est... Non, c'est toujours pas bon, alors il va encore me donner un coup de bombe je suppose. Elton, comme tu as l'air de t'ennuyer un peu, tu peux réciter l'alphabet à l'envers s'il te plaît. Désolé, je ferai ça un peu plus tard. Alors, est-ce qu'il a mis un autre mode de difficulté? Parce qu'il disait clairement dans les notes que c'était normalement deux bombes à coup normal pour balancer, pour terminer le boss. Là, ça a l'air d'être un peu plus long que ça. On voit que la barre de l'ennemi est même encore pas trop mal, hein, avec encore un orange. Alors que celle de notre Eddy est en train de fondre de plus en plus. Tout ça me perturbe beaucoup. Voilà, le boss est battu en tout cas. Notre ami Ether a été mis un peu de côté et nous allons désormais aller prendre d'assaut le château de notre méchant némésisme pour aller un peu lui apprendre la politesse à grands coups de papoum dans le tatam, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle de pied aux fesses. Alors, je vais rafraîchir un petit peu le stream pour être sûr qu'on n'est pas décalé. Et pendant que je fais ce petit refresh de stream, je vais aller regarder où on en est de cette fameuse histoire de défi Crazy Taxi que je vous indiquais. Option. Alors effectivement, RSA pour l'instant est en tête hein, sur la sauvegarde de Crazy Taxi avec un don de 10€. Alors je ne sais pas qui d'entre vous a fait ce don. Tiens, je vais d'ailleurs aller regarder très rapidement. Pendant que je regarde où nous sommes à un stage de Shoot 'em Up qui s'appelle The Rocket Tear. Voilà, jeu de mots encore une fois. Hein. Rocket Tear, vous vous souvenez peut-être le type avec le jetpack qui combattait les nazis, magnifique. Stage particulièrement magnifique et fourmillant de détails divers et variés. Elton, faut pas juste avoir la tête de bombe, faut qu'elle explose au bon moment, donc faut un bon pattern de la part du boss. Autant pour moi, Dio, merci pour cette précision. Autant pour moi, Dio. Donc toujours est-il que, eh bien, stage premier, donc stage 8-1, passé très rapidement, nous sommes au stage 8-2. Alors, petite subtilité, vous voyez qu'il y a des gros missiles, un petit peu en retard sur mon commentaire, excusez-moi. Vous voyez qu'il y a un gros missile, on va préférer se prendre en fait un dommage en touchant le type qui balançait les missiles. Dommage qui nous enlève un tout petit peu de vie, plutôt que se prendre le dommage du gros missile qui lui nous enlève beaucoup de vie. Donc quand le gros missile était sur le point de sortir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit dommage, profiter des frames d'invincibilité pour se prendre le gros missile dans la gueule et passer. Là, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a passé en fait tout un secteur du niveau en sautant un passage, en faisant un petit sequence break, en chopant un truc qu'on n'aurait pas dû choper. Et on se retrouve devant ce boss-là, qui s'appelle le Tarot. Vous pouvez reconnaître peut-être, hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les arcanes de Tarot, que c'est un peu l'arcane du soleil, vers petites choses qu'on retrouve. On va en fait le défoncer très proprement, comme vous le voyez, en récupérant... Eh bien la bonne tête qui nous permet de passer à travers, on va ensuite choper cette tête là qui va nous permettre de nous accrocher au mur, de sauter tout ce passage là, encore une fois là on est en train de sauter plutôt rapidement des passages très importants, bonjour à tous ceux, hein. Salut tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui me disent bonjour, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je commande des speedruns. Hein. On a touché le truc dans le plafond qui nous permet de récupérer un bonus. Et là, nous recrons encore une fois dans un niveau qui a encore une fois une petite subtilité de comportement. Puisque vous voyez qu'à chaque fois que nous tapons ces touches, eh bien, nous renversons la gravité du niveau. Salut Shrapnels. On va profiter du coup de ces deux ennemis gelés pour se créer des plateformes pour passer à travers ces pics.
Encore une fois, vous voyez, à chaque fois, renverser la gravité du niveau, ouvrir les portes et ouvrir les accès, se servir des petites choses englobées dans leur prison pour se servir de plateforme, etc., etc., etc. C'est un niveau qui, encore une fois, c'est un peu ce qui est intéressant dans le principe de ce Dynamite Eddy, c'est que chaque niveau a sa petite trouvaille de gameplay, a son petit truc un peu particulier. Et là, un peu qu'à l'instar d'un des boss d'ailleurs de Sonic 3, si mes souvenirs sont bons, on va devoir renverser la gravité en utilisant ces petites boules pour frapper le boss à chaque fois. On va donc à chaque fois placer les balles extrêmement précisément, renverser la gravité, boum sur ta tête, des dégâts et on recommence. C'est vraiment à la fois assez basique et à la fois assez particulier. Un peu d'ailleurs des trucs qu'on retrouve aussi dans Mario Galaxy, si je ne dis pas de conneries. Twin Freaks, voilà, alors on arrive à Twin Freaks, donc stage 8-5 qui est le boss le plus dur du jeu quand vous jouez en casual. Il y a un weak spot très précis et il y a plein, vous voyez, de pics sur le niveau. Il faut à la fois gérer vos mouvements, à la fois gérer comment vous balancez la tête, à la fois gérer les mouvements du boss, à la fois gérer la gravité. Vous voyez aussi que quand il est dans un sens, il est vert, quand il est dans l'autre sens, il est rouge. La forme rouge est plus difficile que la forme verte, donc plein de choses à gérer. Sauf qu'on est en speedrun et mes caractères n'en ont un peu rien à faire, donc on passe le truc à toute vitesse et c'est déjà réglé. Stage 8-5 donc terminé, nous attaquons le 9e et dernier stage du jeu avec la Final Contraption qui est un stage encore une fois de shoot donc avec du scrolling à tout le barda mais ce coup-ci au lieu de le faire à l'horizontale nous allons le faire à la verticale. Vous voyez d'ailleurs que nos amis de Sega et de Treasure aiment bien mettre leur logo régulièrement en bas de l'écran pour le fun. On va donc avancer sur cette plateforme, cette espèce d'ascenseur et eh bien profiter en fait de ça pour avoir une petite expérience de shoot'em up entre guillemets puisque nouvelle petite vanne en montant sur le mur en profitant des trucs, ça nous fait gagner quelques frames, ça ne sert strictement à rien mais c'est toujours très classieux et on aime bien quand ça pète la classe. Ah oui, en fait il se coince dans la texture pour sauter les machins. Ah oui, ça je l'avais pas encore vu. Yéon sur le chat qui demande quel est le record, je vais vite vous le rappeler pour ceux qui nous rejoignent, le record est de 41 minutes 17, voilà c'est un record qui est de ZYRE, ZYRE et qui date du 3 octobre 2011, voilà pour le petit rappel et pour les VOD je ne le sais pas moi-même donc je ne pourrais pas vous répondre mon ami. Donc voilà, un petit secteur à la fois de platforming et à la fois de shoot'em up. Treasure tellement au-dessus de tout sur Mega Drive, on est d'accord. Hein. Gunstar Heroes, si vous ne le connaissez pas, malheureusement, du coup, il n'y aura pas de run. Mais je ne veux que vous conseiller de jouer à ce jeu si vous n'avez pas encore fait. Si vous êtes un tant soit peu fan de shoot'em up, de toute façon, Gunstar Heroes, vous devez de le faire. Et vous devez de le faire tôt ou tard. Voilà. On continue de monter ce niveau, on continue de gagner un petit peu de la vitesse en se coinçant dans les textures, ce qui, encore une fois, ne sert strictement rien de rien, mon ami. Ce qui, encore une fois, ne sert strictement rien, mais du coup, est rigoureusement indispensable pour la frime. Notre ami, mes caractères, nous fait une petite danse en rythme. Lack et danse, c'est important. Et bien, du coup, je crois qu'on va avoir le boss, voilà, qui est cette espèce de petite, enfin, de petite d'araignée. Alors, je me souviens que même dans les runs que j'avais vus, les patterns étaient un peu dégueulasses, un peu imprévisibles. Puisque pour lui faire du dégât, eh bien, il va falloir plutôt jouer le temps qu'autre chose. Voilà, vous voyez qu'il se place juste sous le pied, qu'il ne bouge pas. Robot qui, vous voyez, est toujours d'ailleurs géré par notre ami le chat magique, hein, le chat machine. Et notre ami Chad, d'ailleurs, qu'on va devoir maintenant commencer à protéger un petit peu, ça va être compliqué. Je me demande pourquoi tous les runners jouent à des jeux faciles qui se terminent aussi vite. Obvious troll is obvious, merci beaucoup. Donc, alors là, le principe, c'est que donc, le robot s'est un peu emballé, et que maintenant, notre ami Chad est en train de paniquer, et que là, il n'est plus trop dans l'idée de vouloir nous maraver la gueule, nous faire la concurrence, il est plutôt dans l'idée de vouloir sauver sa peau. Donc, le bonus spécial qu'on peut récolter à ce niveau-là, c'est si jamais on arrive à terminer les niveaux, qui en fait consiste juste à arriver vivant au bout du truc, sans que le chat arrive à nous choper, parce que vous voyez que le chat arrête pas de sauter sur place, et que si jamais on le rencontre à un moment, il s'accroche sur notre dos et nous empêche donc de nous déplacer, et nous heurte et nous gêne dans ce déplacement, et en plus, comme dit, voilà,
fait un peu chier, on va pas se mentir. Donc, pour avoir le super bonus sur ce niveau-là, il faudrait qu'on évite aussi bien les lasers du boss que éviter le chat qui n'arrête pas de rebondir partout d'une manière assez aléatoire et d'une manière un petit peu gênante. Eh bien, là, on va pas essayer de viser ce truc-là, hein, on va pas essayer de viser super bonus, on va juste essayer de terminer ce stage vivant. Vivant, question de fusion 101 sur le chat, est-ce que c'est réellement un awesome game? La réponse est oui. Totalement, ce jeu est un awesome game pour ce qu'il représente graphiquement, surtout sur la Mega Drive, qui pour l'époque était absolument hallucinant, et pour la qualité de sa bande-son et de son gameplay, parce que ça c'est forcément quelque chose qu'on a du mal à réaliser au niveau d'un speedrun et qu'on a du mal à réaliser en regardant une vidéo, mais le jeu se joue extrêmement bien, extrêmement précisément, il est d'une profondeur absolument hallucinante au niveau du gameplay, parce qu'entre les différentes têtes de Eddie et les différentes propriétés qu'elles ont chacune, eh bien vous avez un gameplay d'une profondeur absolument démentielle, oui, pour moi, c'est clairement un awesome game. Dio, oui, j'ai parlé des différences entre la version japonaise et la version française, si je n'ai pas insisté assez dessus, autant pour moi mes excuses, mais effectivement, même le chat est totalement différent dans la version japonaise. Salut Arcade Muse, et nous sommes donc devant eh bien, le Dark Demon, le boss final, puisque c'est la Final Analysis. Alors, est-ce que j'ai pris des notes sur les tactiques? Il faudra switcher de tête au bon moment pour battre ces petites attaques. Apparemment, la seule attaque qui pose encore problème à notre ami le runner est cette espèce de mur électrique bleu que vous allez apercevoir sur votre écran. On sait que dans la run qui a servi pour la vidéo, il a utilisé ce mur électrique bleu 3 fois et que visiblement ça lui avait un peu niqué sa run. Mais voilà, donc là on a pris une tête qui nous permet d'être un peu plus petit, qui devant le mur qui nous tombait sur la gueule nous permettait d'avoir accès à plus de choses. On va encore une fois changer de tête, prendre voilà, le fameux mur électrique bleu, il est ici. On va prendre notre tête de marteau, donc je rappelle que le principe de la tête de marteau c'est qu'elle occasionne 2 fois plus de dégâts qu'une attaque normale. Ce qui n'est pas négligeable, surtout dans ce boss final. On re-switch de tête pour prendre la petite tête, histoire de nouveau d'éviter les murs et de pouvoir se caler bien comme il faut, parce que vous voyez que si on a cette petite tête, on a 5 endroits différents pour se classer. Si jamais on ne prend pas cette petite tête, nous n'en avons qu'un seul, donc ça nous permet de jouer un petit peu la sécurité. Et on va donc switcher entre les différentes formes de boss, prendre la tête marteau le plus possible pour eh bien, occasionner le plus de dégâts possible sur les phases eh bien, où peut se permettre d'être un peu safe, et on peut se permettre de faire ça. En fait, si vous regardez bien, c'est l'orbe qu'il a dans la main qui permet de savoir quelle attaque il va balancer. Et donc, mes caractères se basent là-dessus pour savoir quelle attaque lui arrive dans la gueule et pour prévoir à l'avance l'attaque que le boss va lui balancer et quelle tête il doit mettre. Il n'y a pas Gunstar Heroes après, non, la run de Gunstar Heroes a été annulée. Donc voilà, mais c'est pas grave, on aura bien d'autres runs et bien d'autres choses intelligentes et intéressantes et belles à vous proposer. L'énergie du boss est toute petite, vous le voyez sur le spot rouge en haut de votre écran, le spot rouge est l'énergie du boss, le spot orange est l'énergie de Eddie. Le boss est presque réglé, Eddie a encore largement d'énergie, spot du boss clignote, c'est presque déjà fini, encore quelques coups de marteau en plein visage, et cette run sera terminée. Voilà qui est fait, le boss est battu. Le time est déclaré, 40 minutes 17 secondes, magnifique run, encore une fois, de notre ami mes caractères. Comme dit, quand on se rappelle que le record est de 41 minutes 17, attendez. Est-ce qu'on a un nouveau record, là? Si le truc est validé par la GDQ, je pense que oui, on aurait un nouveau record, parce que le record, comme dit, enregistré par la Speed Demos Archive, était de 41 minutes 17 secondes. On vient donc de gagner une minute sur le record qui est enregistré par la Speed Demos Archive. Donc, si le record est enregistré par la SDR, on a au moins un nouveau record de la SDR, voire peut-être un nouveau VR. Eh ben, GG. Ah bah voilà, bah ça c'est fait, hein. Bah, mes caractères, en plus d'avoir la classe et de faire les meilleurs perleurs de la Terre, vient en tout cas de tabasser le record de la SDA. Bien joué à lui, GG, record battu, c'est du beau jeu, c'est bien joué, et ben voilà, ça finit notre petit secteur et notre petit lundi matin fait ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, moi en tout cas j'en ai passé un excellent. Ça me fait plaisir de voir ces quelques jeux là, ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir les partager avec vous. Je m'appelle Aitan Furgun, j'espère que vous avez passé une bonne matinée en attendant que eh bien, les amis nous rejoignent pour la suite des événements.
qui ne devrait pas tarder. Les jeux suivants là qui arrivent, hein, je le rappelle, pour vous faire un petit rappel planning, parce que c'est toujours important, ça va être Street of Rage 2 dans quelques minutes, en espérant que la missionnaire soit là. Suivi de Crazy Taxi, donc Street of Rage 2, ça va être commenté par Anapoule Pessinel. Crazy Taxi ensuite par Mutsui pour, en tout cas les commentaires ici. Super Monkey Ball, Marvel Blast Ultra, Sonic Adventure 2 Battle, ça va être aux alentours de 14h30 cet après-midi, début d'un bloc Sonic. Suivi par Sonic Generation et Sonic Heroes, et environ 18h, on va enchaîner par un bloc F-Zero, avec F-Zero Climax, F-Zero Normal, F-Zero X et F-Zero GX. Voilà, merci à vous tous d'avoir été nombreux. Est-ce que c'est pas un world record son PB de 38 minutes 47? Merci Sinaël, donc noté. Il y a eu un world record ce matin qui était le world record sur Infamous, sur le... standalone d'Infamous, où le world record a été battu. Voilà. Donc là, mes caractères en profitent pour montrer quelques petits tricks supplémentaires, quelques petits jeux qui sont à l'intérieur du jeu, hein, quelques petits bonus. Du coup, moi, je vais en profiter aussi très rapidement pour vous refaire un petit point sur les dons et refaire un petit point sur les choses que vous pouvez gagner, les défis auxquels vous pouvez participer. Les défis FR, on rappelle que le nom de la save de Crazy Taxi, donc pour dans quelques heures maintenant, fait partie des défis français en cours avec donc le nom de la save RSA, hein, pour l'instant on est avec 10$, n'hésitez pas à donner là-dessus, comme dit, ça permettra de gagner un petit peu du pognon et d'avancer un petit peu là-dessus et d'assurer le fait que ça se passera bien et qu'on ait ce défi-là. Autre défi français, Jack 2 en français, ce sera donc pour dans quelques jours ça. Pour l'instant, on est en avance, donc n'hésitez pas à donner là-dessus. Et pour le nom du perso de Final Fantasy VII, aussi bien pour le nom de Cloud, alors que je vois que c'est mis à jour à l'instant même où je le dis, et le nom d'Aeris, alors donc, on rappelle pour faire ça, comment ça se passe, eh bien, vous, au moment de votre don, dans la petite case de commentaires, vous dites « Ah oui, donc je voudrais que ce soit donné pour tel ou tel défi », n'hésitez pas à le faire. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, Anapoule Pessinel. Comment ça va? Ça va. La forme? La pêche? Non, c'est ce qui est passé. D'accord. Street of Rage 2, non, on est parti. On est en train d'un peu de s'organiser, tout ça. D'accord, alors, je vous en prie. Hein. On est en train de se préparer. Et ouais, Street of Rage 2. Je pense qu'on va passer la barre des 120 000 dollars hein, pendant que vous serez là. Hein, donc ça va être... Ah oui, il y a des chances. Il y a peu de chances que ça n'arrive pas. Ça va être la méga hype. Hein. Ou alors, voilà. Galdog nous fait tomber un world record, quoi. Ça serait une bonne nouvelle. Bon, ben moi je vais vous laisser. Hein. Je vous dis moi à ce soir dans la nuit pour Blood. Et puis, bonne chance à vous deux en tout cas. Eh ben merci. Et puis à ce soir. À ce soir, gros bisous. À ce soir. Ciao.